Waouh, je suis belle. Attends, on va essayer de focus ça quand même. Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. Ah, la lumière est super forte, faut que je baisse. C'est mieux là. Ouais, c'est mieux. Alors aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous montrer comment je coupe un carré. J'ai un événement prochainement et je voulais avoir un carré, puis ça fait longtemps que j'en avais pas fait un. La vidéo n'aura aucun sens. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas coiffeuse. J'ai fait ça vraiment un peu à l'arrache. Alors ça, c'est la perruque. Je l'ai achetée sur AliExpress. Je vous mettrai tous les liens, les vidéos, les photos qu'il faudra. Ça fait un moment que je l'ai reçue. J'avais déjà décoloré les nœuds et lavé la perruque. Je vais vous faire un unboxing en même temps. Dans la perruque, il y a une petite carte du vendeur. Et un chouchou que j'utiliserai sûrement pas. J'ai pris du 14 pouces. Vu que je savais que j'allais couper un carré, j'ai pas pris un truc super long. Et j'ai pas pris non plus trop court parce que j'avais peur que au niveau des pointes ce soit trop fin, bizarre en mode. Il y a un bonnet et un élastique. Le bonnet je vais pas l'utiliser. L'élastique je le mettrai sûrement à la fin. Sauf que le packaging en dehors de la boîte il est pas ouf. Il y a certaines perruques que j'ai reçues, il y avait en fait un petit sachet en satin façon avec le nom du vendeur. Je trouve ça plus classe. Et puis même quand tu ranges tes perruques, c'est mieux. La perruque. Elle est un peu comme ça, comme je vous ai dit, je l'avais déjà lavé et décoloré les nœuds. Elle est formée comme ça à l'intérieur. Voilà, rien de bien particulier. Hein. J'ai pris une 5x5 parce que j'arrive plus trop les frontales. Dernièrement, j'en mets plus de ouf. Enfin, j'en mets plus du tout d'ailleurs. Parce que, en plus, j'ai une petite tête. Franchement, à chaque fois, je le dis, mais j'ai vraiment une petite tête. Les perruques sont souvent grandes pour moi. Donc, les 5x5, c'est parfait. On va commencer. J'ai pas de tête à coiffer, donc on va tout faire sur ma tête. Je vais la mettre directement et on va commencer. Je vais la lisser, la custom. Même si je pense pas que j'ai besoin de forcément custom vu que. Bon, ben, heureux. ma caméra s'était éteinte. J'avais pas cette batterie là, normalement c'est bon. Et comme je disais, il y a déjà eu une custom. La closure est une HD, donc j'ai pas grand chose à faire. C'est déjà un peu customisé, mais je pense que je vais rechanger ça. Look at the bitch braids. tout ce que je vais utiliser, je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos, mais bon, c'est des trucs la plupart du temps basiques. Là, je vais commencer par faire l'arrêt parce que j'aimerais bien une raie au milieu. Je vais devoir prendre un miroir, faire ça via le reflet de la caméra, ça va pas le faire. Je prends un fer à lisser. Celui-là, c'est un quoi? Je crois, c'est un... On s'en fout, c'est un fer à lisser. Ça va être de 140 degrés à 240, mais moi, je vais rester sur 100... Allez, 190. Avant de faire quoi que ce soit dans vos cheveux, ou de les lisser, ou même d'utiliser un sèche-cheveux, mettez du protecteur de chaleur. Moi, c'est celui-là. Je sais pas si on voit grand-chose comme ça. Je vais vous expliquer la petite histoire, il est génial, je sais que c'est une crème, ça peut faire peur. Mais j'étais allée à Saint-Denis parce que j'avais besoin d'un protecteur de chaleur et tout. Et quand je suis rentrée dans la boutique, j'ai dit franchement monsieur, aidez-moi à acheter un protecteur de chaleur. Mais j'ai pas d'idée, je sais pas quoi prendre. Et il m'a présenté celui-là, je lui ai dit mais c'est une crème. Il m'a dit t'inquiète, fais-moi confiance, tu mets une pompe de ça. Il m'a dit aussi de mettre une pompe de ça, c'est de l'huile à cheveux. Donc il fallait mettre une pompe de ça et une pompe de ça. Tu mettras ça dans tes cheveux, tu verras. Si ça marche pas, reviens me voir et tout. Et je te fais même une réduction sur le produit. J'ai dit ok, il était grave confiant. J'ai écouté ce qu'il m'a dit et il a eu raison. J'ai utilisé son autre perruque lisse que je porte tout le temps. Sincèrement, je crois que j'ai mis le produit une fois depuis que je l'avais relavé. Non, une ou deux fois, je crois. Pas eu besoin d'en remettre. Dès que je lisse, je vois que le produit est encore dessus. Et c'est magnifique. De toute façon, là, je vais. Vous voyez bien que la perruque, elle n'est pas super lisse. Je vais mettre le produit avec un peu de truc pour huiler, là. Vous allez me dire vous-même. Donc, une pompe. J'ai mis un peu d'huile pour faire briller. J'ai mis 4 gouttes. Et je mélange comme ça. Et après, je mets sur tous les cheveux. Je vais enlever ma montre, elle me dérange. Une fois que le protecteur de chaleur est mis, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas une coiffeuse professionnelle, ne me cherchez pas. Je vais commencer à lisser de façon grossière, juste pour pouvoir lisser les racines, pour pouvoir faire marrer correctement, puisque là, c'est un peu compliqué. De toute façon, je vais être fraîche. Même si je fais n'importe quoi, là, je vais être fraîche. Pourquoi arrive-les? Non, c'est déjà bouclé. C'est déjà bouclé. Pas. C'est moi qui te dis ça. Ouais. Pas. Ouais. Je dis pas, c'est pas. Voilà. J'avais un petit peine quand j'ai fait ma rue, je sais pas où j'ai jeté, c'est ça mon problème aussi. Ah, il est là. En fait, il y a grave des épis sur le dessus. Je pense que je vais utiliser de la cire en tube pour les plaquer. Là, je prends un tube de cire. Parce que ce côté-là, j'arrive pas à l'aplatir et ça me fait perdre du temps avec le lissage. Dites pas, c'est mes nattes collées qui font ça. Hein. Je vous dis la vérité, c'est pas les nattes collées. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre ça et après repasser le lisseur par-dessus.
Là, j'ai avancé sur le lissage hors caméra parce que sinon on allait passer des heures ici. Pour réduire encore cette partie ici, je vais utiliser un peigne chauffant. Je pense que ça va être mieux pour vraiment lisser cette partie-là. Sinon, en grande partie, voilà à quoi ressemble le lissage. Là, je vais passer à la coupe. Je veux un carré très court qui arrive vraiment au niveau de ma mâchoire. Je vais prendre des élastiques parce que vu que je le fais toute seule, j'ai peur de pas couper à la même longueur à vue d'œil comme ça. Allez, non, je vais essayer de tenter comme ça. J'ai pris des petits ciseaux de coiffure que j'ai volés à ma soeur. J'ai commencé un bail là. J'aurais peut-être dû regarder un tuto avant de le faire, non? Je comprends pas c'est quoi mon problème. Moi j'aime trop faire les trucs à la dernière minute. Oh! Oh! J'ai trop coupé! Qui m'a envoyé? Je devrais peut-être arrêter ce carnage, non? Mais. Bon, c'est pas droit et tout, mais ça va, c'est pas moche. C'est pas moche. Par contre, faire ça après avoir pris sa douche, c'est vraiment pas une bonne idée. Et là, je me fous des cheveux partout. Il y en a même qui rentrent dans ma robe. Au niveau de l'arrière, c'est compliqué parce que je vois rien. Mais ça, je pense que je demanderai à mes soeurs de m'aider. Je vais taillader un peu en bas. Parce que... Je sais pas si vous voyez là derrière ce que ça fait. Ça redescend. Seigneur. Je vais essayer de faire ça hors caméra. Je reviens tout de suite. Donc, ça fait. En partie ce qui a été fait, ça va. Bon, comme je vous ai dit, cette partie-là elle va pas me respecter. Je vais essayer de relisser ça pour que ça sorte un peu plus correct. Là, j'ai essayé de faire un arrondi de toute façon, mais j'aime pas. Je trouve que c'est trop dur. J'ai mis le peigne chaud à chauffer. Je vais dégager un peu la ligne de devant parce que elle est un peu trop fournie à mon goût. J'ai pas l'habitude d'avoir les perruques aussi fournies devant. Donc je vais enlever un peu le temps que ça chauffe. Encore une fois, c'est toujours cette partie-là qui me dérange. Mais bon, je vais régler ça. C'est rien. Pour dégarnir un peu, je vais prendre ma pince à épiler. Et je vais retirer petit à petit. Je sais pas si vous voyez la différence entre là et là. Non. Il n'y a même pas de différence en vrai. Ici c'est tout droit. Là ça fait un peu dégagé. Je pense que je pourrais encore en enlever. Mais je vais y aller mollo. Vu qu'en soi je porterai la perruque plus souvent en vrai au milieu. Ça ici je vais le couper des deux côtés. Et je vais couper là dessus. En tout cas en ce qui concerne la deuxième partie. Je vais pas vous le faire en caméra. Ça sert à rien. On se retrouve au moment où je vais relisser de ce côté là avec le peigne chaud. Là je vais utiliser le peigne chauffant pour aplatir le dessus. Le peigne chauffant ça aide ouf, ça m'a aplati ma petite montagne là et ça a bien fait descendre tous les petits cheveux qui se faisaient là mal. Là je lisse vers l'arrière parce que je vais coller la perruque. Non, faut d'abord que je coupe la tulle sur les côtés et après je vais coller la perruque. Je sais pas si je fais des baby-hairs. J'en fais jamais donc même avec mes cheveux naturels je fais plus de baby-hairs. Ça fait un moment. Donc j'ai pas envie d'en mettre sur la perruque sachant que je vais pas les faire. C'est un peu inutile de faire ça. Je me laisse encore du temps pour réfléchir mais en tout cas le carré commence à pas mal me plaire. Je suis encore pas trop habituée à la longueur. Non, ça va envoyer, je m'inquiète pas. J'ai quand même utilisé un fer à lisser, une brosse, un peigne chauffant, deux produits pour lisser la pépée, la cire pour aplatir les cheveux, ça fait quand même pas mal de produits. Hein. Pour le collage de la perruque, je vais faire super simple. Juste la coller avec un spray parce que je sais que ce soir je vais l'enlever, je dors jamais avec mes perruques. Je préfère dormir avec le bonnet que j'avais juste au début de la vidéo. Ouais, je vais juste coller avec le sèche-cheveux, histoire d'eux, et je reviens tout de suite. Je pense même pas que j'ai besoin de teinter la tulle parce que là ça donne de ouf. En vrai, il n'y a pas tant de différence que ça vu que c'est une HD. Franchement, vous pouvez aller suivre le vendeur sur AliExpress. Parce que là, j'ai enlevé un peu devant. Ça, c'est la qualité des mèches. Ceux qui ont l'habitude de porter des perruques, vous voyez que ça, là, c'est la qualité. La tulle a été collée. J'ai découpé sur les côtés. Je vais découper la tulle. Et aussi peut-être mettre un peu d'anti-cerne ou de fond de teint sur l'arrêt pour que ce soit bien clair. En attendant, ben... Ah oui, d'ailleurs, le découpage de la tulle.
Je coupe jamais tout droit comme ça, je coupe toujours en zigzag pour un effet trompe-l'œil un peu. Maintenant que je nettoie toute la colle, le spray que j'ai utilisé c'est celui-ci de chez Olive Oil. J'utilise plus du tout celle de chez Got2B. Celui-là, quand je le mets, j'ai plus de problème. Je sais que ça va tenir le temps que j'ai besoin. Alors que des fois, avec la Got2B, tu passes ta journée et puis ça commence un peu à se décoller, tout ça. Et c'est des choses dont j'ai pas le temps de gérer quand je suis dehors. L'élastique que je voulais utiliser, il est trop court. Du coup, je vais d'abord enlever avec l'alcool et après, je vais mettre le ruban de mon bonnet, puisqu'il est assez long, je vais utiliser ça, je vais pas lui casser la tête. Donc un peu d'alcool. Là j'ai enlevé la majorité de la colle, mais comme vous pouvez le voir un peu, j'ai une démarcation entre mon front et mon maquillage là. Donc je vais remettre un peu de fond de teint, mon pinceau. On est bon, hein. En vrai ça s'est même pas redécollé depuis tout à l'heure, enfin vite fait sur le côté, mais je m'en fous. Comme je vous l'ai dit, je vais pas le garder toute la journée, donc c'est pas les détails sur lesquels je vais m'attarder. Je vais juste nettoyer ma main. Ce côté là, il veut jamais coopérer. Celui là, vous avez vu, je voulais que ça passe devant mon visage, il est passé devant mon visage. Lui, il reste encore en arrière. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oui, t'as 10 euros s'il te plaît? J'ai pas d'espèce du tout. Cette vidéo n'a aucun sens. Ah mais j'aime bien. Là c'est un peu mieux dompté. Franchement j'aime beaucoup. Mais je vais éclaircir un peu la racine avec mon anti-cerne. Je me posais la question tout à l'heure pour savoir si j'allais faire des bébés. Là pour le moment je vais laisser comme ça. L'anti-cerne, ça fait toute la diff. Ça c'est quelque chose que je faisais pas, mais je vais le faire maintenant. Et mon carré. Ah j'aime bien. Ça change. Mais je suis dans les pétages, même ceux qui osent se mourir. Je suis là dans le pétage et je continue à péter et je pète. Toi aussi, tu dois péter. Nous sommes dans les pétages. Ça fait grande fille. Je vous montre le devant. Donc voilà comment couper un carré quand tu sais rien faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Faites de gros bisous et à la prochaine.